Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, eh bien écoutez, je vais continuer un petit peu mon ascension pour évoluer un petit peu mon personnage. Donc c'est-à-dire que là, surtout le pilotage soldat, faut voir, là je suis quand même level 23. Bon, je trouve que ce n'est pas indispensable en tout cas pour le moment. Il me semble que je n'ai pas grand-chose de très intéressant à faire pour l'évoluer, en tout cas pas jusqu'au niveau 40, quoi. Je veux dire, level 23, ça devrait quand même suffire pour le moment. Mis à part le fait quand même que je pourrais aussi me racheter de l'équipement, on verra ça une autre fois. Cette arme-là, je n'utilise jamais, donc bon voilà. Mais je devrais peut-être quand même. Le minage, eh ben, va peut-être falloir que je m'y remette aussi un petit peu. D'ailleurs, j'avais vu une petite vidéo du coup pour le minage. Je vais peut-être en faire aussi aujourd'hui. Est-ce que je commencerai par ça? Même pas, parce qu'en fait, j'ai vu que c'était pas super super. Mais je n'avais pas besoin d'un drone. Le drone mini, en fait, je crois que ça boostait quelque chose. Mais ça faisait rien de plus. J'aurais pu y aller directement la dernière fois. J'ai fait un petit peu l'imbécile. Mais bon, c'est pas grave. Quand je regarde dans les recherches de pilotes. Ici, par exemple, je vois le bâtiment hôpital dans le système de blabla, soit protégé contre d'éventuelles attaques. La dernière fois, il n'y avait pas d'attaque. J'ai eu des points. J'aimerais bien que cette fois, il y en ait. Peut-être qu'il y a eu un bug la dernière fois, je suis pas certain. Mais je vais quand même aller le faire. Donc, je vais aller au 43. C'est parti. Allez, c'est parti pour 40 minutes à peu près. Je vais tenter de faire 40 minutes. De pas trop les dépasser, hein, comme dans mes mauvaises habitudes. Et si jamais je vois, ah, j'allais dire si je vois une station de mineurs, allez, vous savez quoi? On va aller là, on va quand même se faire ce truc. Ah mais j'y suis déjà, mais je suis bête. J'y étais. Ah mais par contre. Hein... Allez, c'est pas grave. On y va. On va faire un peu de minage au final. Et je me suis dit que j'allais enlever mes protections, tout ça, mais en fait, c'est les restocks directement. Appelé vaisseau, donc c'était le HUC. On va prendre le HUC. Sans mauvais jeu de mots. Hein. C'est comme ça qu'il se nomme. Bon, voilà. Je vais voir un peu comment ça se passe parce que c'est vrai que. Ah oui, je crois que c'était Tab. Mais je suis pas plus sûr. On va tout de suite voir ça. Alors, on va aller au champ d'astéroïdes. Qui se trouve là-bas. Drone de combat extracteur 4, extracteur et 5, amplification de D, de D, O, N, je vois pas trop. Amplification de drone, je crois. Voilà, ok. Bien. Warp drive cooling. Alors, on va voir un peu comment ça se passe. On va déjà trouver un peu du minerai quand même qui soit intéressant. Non, je crois pas que c'était très intéressant ça. J'aurais bien trouvé quelque chose de l'or, enfin pas de l'or, je sais plus ce que c'était les. De Dieu. J'arrive peut-être un peu trop vite, c'est vrai qu'il freine mal. Non, ça c'est pas intéressant. Ça non plus. Ah, mais attends, c'est peut-être un. Attends, je viens de voir un truc. ET, c'est quoi ET inspecté? Scanner. Middle mouse, c'est bien ça? Je ne vois pas du tout. Je sais pas ce que c'est ET. Juste pour voir quand même, je suis déjà perdu.
Est-ce qu'il y a un bouton ET ici? Je vois pas de ET, quelque chose qui pourrait s'y apparenter. Middle mouse, bah ça oui, mais bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Personnage menacé, paramètre de malade, valeur par défaut, personnage. Donc, je ne vois pas du tout. Bon, ah, contient un charbon. Ok, bon, mais voilà, c'est qui, c'est bon. C'est tout ce que je voulais savoir. Non, ça. Non, celui-là, là, devant. Qu'est-ce qui m'emmerde? Bon, allez. On va voir celui-là. Ça, c'est du fer, tiens. C'est déjà plus intéressant. Alors, je m'arrête. Ça m'a l'air d'être bon. Weapons online. Ok, donc c'est pas ça. Ah voilà, c'était bien ça. Donc 4 extracteurs. Fou. Par contre, là, je peux pas. Ah, attends, il y a du fer. Ah, d'accord, c'est comme ça. Donc ça n'arrive pas directement. Mais c'est quand même beaucoup plus efficace de ce que j'avais avant. En fait, on n'appuie qu'une seule fois sur le bouton de la souris et ça mine automatiquement. Il y a juste à diriger. Sauf quand on part un petit peu et puis que c'est un peu sur le bord. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour prendre? Je l'ai pris, faut foncer dessus. Ah ok, bouton droit. Par contre, j'ai, je sais pas, ouais, plus de... Non, c'était de l'expérience. J'ai pas l'impression que je récupère beaucoup. Plus d'expérience, quoique. Le fer, je sais pas si ça vaut cher, mais bon. Ça vaudra plus cher que ce que j'ai pris la dernière fois. Je crois pas que c'était du fer, en tout cas. C'est quand même plus efficace qu'à pied, hein. Y a pas photo. Je vais essayer de remplir quand même. Je sais pas si c'est des coffres ou le vaisseau ou quoi, mais on va faire ça au mieux. C'est vrai que ça me changera un petit peu. C'est quand même sympa le gameplay. Enfin ouais, c'est sympa. Voilà quoi, c'est... C'est... Voilà, si tu veux faire une petite pause, tu te fais un petit peu de minage comme ça pour changer. Mais le truc, c'est vrai qu'il faudrait que ça rapporte, donc mieux vaut être au rang 3. Et même avec ça, je pense que ça te rapporterait quand même beaucoup plus de te faire des missions de combat avec des vaisseaux, quoi, tout simplement, hein. De récupérer les caisses, de récupérer les pods. Il me semble que ce serait plus rapide, quoique, faut voir.
Je sais pas si je peux détruire tous les satellites, enfin tous les satellites, le minerai qu'on trouve ici, mais. Ah voilà, d'ailleurs, non. Ok. Est-ce qu'on a... Ah, c'est parfait ça, on a même la lumière. Qu'est-ce que c'est efficace, dis donc. Mais c'est vrai que là, ça me fait vraiment penser à No Man's Sky. Parce que j'ai pu passer du temps à faire ça également. Tiens, celui-là m'a l'air quand même beaucoup plus gros. Déjà prendre ça, puis je crois que j'ai quand même miné un petit peu d'abord à l'extérieur avant d'aller trop en profondeur. Est-ce que ça disparaît au bout d'un moment? Faut peut-être faire gaffe à ça. Ouais, là il m'a l'air quand même bien large. Bien en profondeur quand même, ce minerai. Enfin, la souche quoi. Oh là là. Ah, je vais en avoir pour un moment. Est-ce que je vais faire 40 minutes de minage? Je vais déjà voir en fait ce que j'ai pu remplir. Ah ouais, non mais là on va profond là dedans. Ça ne finit jamais là du coup. Bon, deux d'expérience, franchement. Je me demande, est-ce que... Ah, ok. Incroyable. Bon, apparemment ça peut être un peu long du coup quand même. Mais du coup ce que j'avais équipé, j'ai équipé un truc, enfin le vaisseau là, j'avais équipé de quelque chose, si tu veux, c'est pourquoi exactement. Est-ce que c'était donc le forage pour le vaisseau, enfin pour le ce drone là? Je sais même plus. Bon, au final, j'ai quand même bien fait de reprendre ce vaisseau. En tout cas, ça n'a pas l'air de surchauffer, donc on continue, hein. En fait, on va la traverser, l'astéroïde-là. Ah, il y en a qui a disparu, je crois. Thank you.
Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le truc, c'est que je sais même pas où j'en suis vraiment. Là, j'ai du mal à voir, à me repérer un petit peu. C'est pas le même système, je veux dire, il n'y a pas de... Ah, valeur riche. Ah mais d'accord, donc là, on peut voir un peu comment j'ai miné, donc... C'est du vrai fromage, là. Attention, faut pas y avoir du gruyère. Le gruyère n'a pas de trou, hein. Attention. C'est le mental qui a des trous de bleu. Ouais, j'ai comme l'impression que ça va durer quand même longtemps. Par contre, quand je regarde, hein, par exemple, là, mais je vais pas mettre la souris. Mais en haut, au milieu, là, on voit bien qu'on tient fer, valeur riche 223,2 mètres cubes. Et en dessous, taille 163 120,7 mètres cubes. D'accord. Le trait bleu, est-ce qu'il s'agit du fer que contient l'astéroïde? Donc en gris, ce serait l'astéroïde en lui-même sans matériaux, sans le minerai, quoi. Et le bleu, ce serait le minerai. Est-ce que c'est ça? Est-ce que... Ah non, mais je pense que ça doit être ça. Je suppose. Regardez-moi ça. Je veux dire, est-ce que je termine, franchement? Je suis déjà à 17 minutes de jeu, là. Attendez, j'ai juste un rond tout perdre. Parce que, allez, je vais juste faire un rond, juste pour en voir jusqu'où ça va, là. Là, je peux y jouer en fait les 40 minutes, hein. Si ça creuse encore au fond, voilà, là c'est la limite. Ok, je vais pas aller plus loin, par contre, il faut que je me fraye un chemin. On va quand même aller voir jusqu'où ça va. Hein. Parce que je pense pas que je vais quand même tout miner, j'aimerais bien me faire une ou deux missions là si possible. Faire un chemin, il faut que je me creuse un tunnel. Ça a l'air de passer. Ah, je crois que je vois le bout. Ah, c'est incroyable, je vois le bout. Ok. Il y a aussi un autre jeu, j'ai oublié, je crois que c'est un jeu français. Qui se joue également dans l'espace. On peut construire un vaisseau, on peut se construire des usines, on peut se faire... Et c'est en multijoueur. Je ne sais pas s'il est toujours existant, s'il y a toujours du monde dessus. Ça fait aussi un peu penser à ce jeu-là. Sans évidemment le drone minier, car tout se fait à la main. Enfin, à la main. Avec, je sais plus ce que c'était, avec une sorte de pistolet, je crois. Et il faut aller chercher le minerai sous terre avec avec des sondes ou un truc comme ça. Là, c'était très sympa. Mais j'ai complètement oublié le nom. D'ailleurs, j'ai voulu y rejouer. J'avais même tenté... Enfin, j'aurais bien voulu me faire une ou deux petites parties et à montrer ça un peu en gameplay. Mais j'ai complètement zappé le nom. J'arrive pas à retrouver ce jeu. C'est incroyable. Et puis c'était un jeu, par contre, il était payant, c'est-à-dire, enfin, fallait... Non, je crois que le jeu était gratuit, mais il y avait un abonnement à jouer chaque mois. Donc il y a un jeu en multijoueur. Il y avait deux, trois petits soucis. Ça fait déjà, je sais pas, peut-être 2 ans que j'avais pas rejoué. Enfin, que j'ai arrêté. Ouais, mais tout ce que je sais, c'est que c'était un jeu français. Mais
tout ce que je sais, tout ce que je me souviens. Mais là, ça fait, c'est trop long. Et dans ce jeu-là, justement, je me souviens que quand je trouvais quelque chose de très grand, ben là, t'étais vraiment très content. Un truc, c'était soit tu mettais le minerai après dans tes usines pour fabriquer certaines choses que tu revendais par la suite, ou soit tu revendais directement le minerai si tu n'avais pas d'usine. Et suivant le minerai que c'était, tu pouvais quand même te faire du pas mal de pognon. Et vraiment, c'était, tu te construisais tes vaisseaux, c'était du... pas du pixel, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Ah, j'ai complètement oublié aussi. J'oublie tout, ça c'est l'âge, hein. C'est l'âge. Des voxels, voilà. La construction en voxel, et puis c'était quand même assez bien foutu. Tu pouvais te faire quand même des jolis trucs, des jolis bâtiments, des jolis vaisseaux. Si vraiment... Mais fallait vraiment savoir manier le voxel. C'était pas vraiment mon cas, mais ça se travaille un petit peu, et puis tu faisais quand même des trucs assez sympathiques. Après, je sais qu'il y avait quand même pas mal d'abus. D'ailleurs, moi, j'étais tout seul, j'avais un seul joueur. Et sur chaque planète, il y avait des sortes de losanges, en fait. C'était des passerelles, en fait, que tu pouvais privatiser. Et puis, quand tu avais privatisé ces passerelles-là, ces parcelles, tu pouvais construire tes choses, quoi. Ta base, tu faisais un peu tout ce que tu voulais. Alors, il y en a qui faisaient des gratte-ciels, c'était un peu emmerdant, parce que tu pouvais vite te cracher dessus. Et je crois qu'ils avaient à un moment donné limité justement le nombre de parcelles. Et puis moi je me suis pas mal étendu, ça m'a un petit peu dégoûté. J'avais arrêté le jeu parce que voilà, j'avais quand même énormément d'heures de construction dessus. Et puis je voulais pas du tout recommencer, donc j'avais arrêté. Mais j'aurais dû noter ce nom quelque part. Et c'est pas un jeu que tu trouves sur Steam. Il fallait directement aller, il me semble, sur le serveur du jeu. Ah, honnêtement, si quelqu'un sait de quoi je parle, qu'il me le note en commentaire, parce qu'il faudrait que je m'y remette un petit peu, s'il est toujours existant, bien sûr. Et s'il y a toujours du monde dessus, parce que c'est vrai que, voilà... Puis après, t'allais frimer un petit peu avec ton vaisseau que t'avais construit, dont t'étais fier d'avoir fait, évidemment, parce que, bon... un petit peu la galère, quand même. Bon, 23 minutes, là je vais arrêter là parce que ça commence à devenir un peu long. Juste pour voir, est-ce que... Ah ben non, je peux rien faire là, ok. Maintenant la question c'est de savoir... Comment est-ce que je rentre ce machin, en fait? Ah là. Ouf. Vaisseau surchargé. Ok, je crois que je l'ai pris un petit peu trop. Je vais juste voir ça, cargaison. Ah oui, 546 sur 295. Effectivement, j'avais peut-être pris un peu trop. C'est dommage que ce ne soit pas indiqué. Mais bon, ça va, je suis pas trop loin quand même de la station. Ça risque de prendre un peu de temps. Non, champ d'astéroïdes là-bas, du démineur. Donc là, je risque de traîner un petit peu, mais c'est pas grave. 12 à U. Et là, qui doit pas être très rapide. Là, ça va vraiment être plus lent. 12, 11. 10, ça va prendre du temps quand même. Qu'est-ce que je voulais regarder déjà? Je sais plus. Je sais plus. Ici 21 000, 29 000, tiens, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien... Il faudrait que je construise d'autres stations. Qu'est-ce qu'il me manquerait quand même? C'est toujours les mines. Je sais pas si je peux construire ça d'ailleurs. Là, je vais pas tester parce que... Ah si! Je possède cette planète? Enfin, ce système? Non, je crois pas. Station de recherche, factory, mining station. Donc factory, on est bien d'accord. Factory, c'est bien... Oui, c'est bien pour ça, pour les outils, quoi. Y a rien d'autre. Annulé. Non, mais c'est bon, tu m'emmerdes. Hop.
Donc, d'accord, ça c'est bien. La mission 759, ça c'est pour la mission que je vais faire tout à l'heure. C'est-à-dire de protéger l'hôpital. Si évidemment ça ne fonctionne pas, j'aimerais bien avoir quand même un petit combat. La dernière fois d'ailleurs, j'ai fait quand même pas mal de combats, j'ai pas récupéré beaucoup de coffres. J'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Du coup, je me suis pas fait assez d'argent, mais bon, c'est pas grave. Il me semble d'ailleurs que j'avais aussi deux prisonniers, je sais pas si ils ont disparu en changeant de vaisseau. Donc il vaudrait mieux que j'aille revendre. Landing gear deployed. Voilà, c'est vrai qu'il est très lent. J'ai l'habitude d'avoir un petit chasseur, moi. Oula, 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 oula. On va voir ce que ça fait si je sors. Ah, ça va quand même. Alors oui, je me suis pas très bien parqué. Mais ça fonctionne. C'est le principal. Du coup, avant de ranger le vaisseau au cas où, je préfère quand même aller revendre tout ça. Ah, écoutez, lui là-bas, on sait jamais. Vendre, du coup. À 134 000 le tout, c'est bien ça? Non, je pense pas que ce soit ça. C'est quoi du calcul? Si, c'est peut-être ça au final. Ah ouais, ça doit être ça. Ça m'a fait 134 000 en tout. Ok, bon. Pour le temps, franchement, que j'ai passé, c'est pas énorme. Ah, mais j'ai pas regardé le prix exact, parce que là, pour le moment, c'était quoi? 25% de taxes. Mais il me semble que c'est plus haut aussi. Hein. Parce que je gagne vraiment très peu. C'est plus que 25% de taxes. Et puis, au rang 3, la taxe, elle est là-dedans. De 5%, mais c'est quand même trop, je trouve. Et là, donc, j'ai pas de contrat. En fait, au rang 2, nous, on a droit à des contrats de haut rang. Mais je sais pas ce que c'est que ces contrats, du coup. Ce serait quand même sympa d'aller voir. Mais non, mais qu'est-ce que je raconte? C'est là qu'il faut que je regarde. Y a pas de contrat. Alors, j'ai monté un petit peu, mais pas grand-chose. Et franchement, c'est vrai que c'est pas. C'est pas génial quoi, j'ai pas eu de passer mon temps à faire du minage comme ça moi. Sauf si vraiment un jour j'ai du temps à perdre et puis que je m'emmerde. Et même là, franchement, je préfère aller me faire des combats. Hein. Tout ça pour dire. Ah bah tiens, cette fois-ci, je les ai. Ils sont bien là, ils sont restés, les 5-5-5 là, on est bien d'accord. 5 réparations, 5 boosts de bouclier et puis 5. Prise de pod, comment est-ce qu'on appelle ça, je sais plus. Enfin bon, bref. Allez, c'est parti. On va protéger l'hôpital qui est méchamment attaqué par les pirates, peut-être. On verra bien s'il y a des pirates. Je vais voir si c'est comme la dernière fois. Peut-être que les missions hôpitaux, du coup, sont buggées. Autant en profiter, du coup, d'aller là-bas et puis juste de récupérer des points et de faire la mission. Pas d'expérience et de l'argent. Hein. Mais si c'est le cas, ce sera la deuxième fois de suite. Donc j'aurais quand même des doutes là-dessus. Que ça fonctionne, du coup, ce serait bien buggé. Please approach to the jump point to start jump process. Ben juste après ça, je vais quand même aller voir aussi une chose. Please proceed through the gate. J'ai tout bien vendu en fait, ce qui est sur. Ah, j'ai tout bien vendu. Est-ce qu'on peut voir? Non. Les prisonniers que nous avons sur le vaisseau. Exit permission from the system has been obtained. The next waypoint is being passed. And 3, 2, 1. Destination reached. Est-ce qu'on peut te rechercher en fait à un moment donné? C'est bien. La mission. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, j'ai deux missions ici? Bon, ok. Là, c'est Arc Z et l'autre, c'est QM Bipo, là. Et. Ok, bon, on va faire Arc Z, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Arc Z Station. Alors attends, est-ce que c'est moi ce qu'il y a deux points à faire? Soit que le bâtiment hôpital dans le système lien soit protégé contre d'éventuelles attaques. Il a concentré le panel FP pour cela, je peux trouver hôpital dans le système solaire machin. Il a contracté le panel. Mais du coup, moi j'ai pas l'autre là. Alors franchement, je sais pas, on y va. Hein. Écoutez. Une mission comme ça, gratuite. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster head. Weapons online. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Here it is. She must be somewhere inside this station. The drone carrier ships are approaching. Rest assured. Ah mais c'est une mission de... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah mais attends. C'est pas... Ah non mais ça c'est une mission, mais j'ai déjà fait cette mission. Qu'est-ce que c'est apparu comme ça? Sur quel... Ah puis en plus ils sont level 35, bon ça me fera peut-être des caisses supplémentaires. Bon, allez je vais en profiter, c'est pas grave. Pour le moment j'ai zéro caisse. Hein. Alors déjà le transporteur on va se le faire. C'est toi avec tes drones, tu me saoules déjà. Faut peut-être que j'appelle mes potes. Voilà. Normalement je devrais plus avoir de drones. C'est pas grave. Target shields are down. J'ai une caisse. Target destroyed. On va voir ce que c'est. Super. Ça vaut que dalle, mais bon, on la prend quand même. A larger drone ship is approaching. Get ready. Ah! Ok. You don't see a fighter class ship destroying a nest every day. The hostages are leaving the station in pods. Let's pick up with Saw as soon as she enters our line of sight. Dans les otages, machin. Ah, mais non! Ah, bah non! Oh, my love! Ah. I can't believe you did so much for me. I would do anything for you. You know that. I will be forever grateful for what you've done. From now on, you can count me as your most loyal ally. J'ai peur, j'ai cru que j'allais tout perdre. I have one last request for you. Je sais pas pourquoi je dois refaire cette mission. Mais bon, c'est pas grave, je me fais time. Du pognon, donc Drop yourself at a station. You have some family members to take care of. 947 000, pas mal ça. After we handle them, we will meet you wherever you want, and I'll start my work. Ouais, bah écoute, je te déposerai à un autre moment. Actually. Ouais. That's a good idea. D'abord, je fais ma mission. Taking a break. Vous allez m'accompagner du coup. Getting a good sleep would be good for all. Mais j'ai peur que ça foute la merde. Est-ce que ça va recommencer ma mission? Ça serait quand même assez marrant. Je sais pas si ça va reprendre la mission. Ça, c'est pas normal. Voir si elle va subir une attaque à la station ou pas. Si, ça a l'air. Ah, quand même. Et c'est du level 37 là, hein, quand même. Bon, là par contre, j'ai quand même remettre du bouclier. S'il veut bien. Non, il veut pas. Ça m'est déjà arrivé ça. Là, il veut pas du tout. C'est un peu ennuyeux, mais bon, voilà, tant pis, hein. À faire avec ma foi. Target
En fait, j'ai regardé un truc. Parce que j'ai l'impression de faire pas mal de dégâts aussi sur les boucliers avec cette arme. Il faudrait peut-être que je sois à distance, enfin à la bonne distance, parce que là quand même je suis un peu loin. Je sais pas pourquoi il reste aussi loin d'ailleurs. À la limite, je fais plus de dégâts avec cette arme qu'avec mon laser. C'est n'importe quoi. Sans déconner. I think it is over. Good job. Donc j'ai fini la mission. J'ai deux coffres. Pod stabilized. Pourquoi il veut pas? Ça, ça fonctionne? Ah ouais, alors mes raccourcis ils fonctionnent plus là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais plus rien faire. Il y a juste le boost moteur, d'accord. Le truc défensif, c'est bon. Le tout boost, c'est bon. Alors, par contre, le reste, 6, 7, 8, il veut pas. Ok, c'est super, c'est génial, merci beaucoup. Allez savoir pourquoi. 1 723 000, je prends volontiers. Et celui-là, il vaut combien? 338 000. Et pourquoi celui-là, il vaut aussi cher? C'est pas grave, je prends. Du coup, ça c'est bon. Vaisseau, on a quoi, 37 minutes? Et ben, va falloir que j'arrête. Déjà. Et ouais, c'est déjà le cas. C'est vrai que ça prend quand même beaucoup de choses. Ok. Juste pour voir ici, ou à 35, ben, j'ai pas beaucoup évolué, malheureusement. Il va falloir aussi, ben, j'ai vite déposé Jack. Parce qu'apparemment, tiens, on va le déposer là-bas. La guilde des explorateurs. Et puis, je vais voir si la mission continue ou pas. Parce que là, j'ai bien la mission, passer à l'aventure. Donc, commencer le meeting au centre de commandement. Mais je vais voir si ça bug. Si j'ai une deuxième fois une mission qui reprend. Là, j'ai pas de message comme quoi il me remercie justement de l'avoir déposé. Normalement, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Mais là, il ne le fait pas. Ok, bon, c'est pas grave. En tout cas, je vais m'arrêter là. Juste quand même revendre un petit peu vite fait avant. Allez, il me reste une minute. Je vais vous garder avec moi juste pour revendre ça. Je me demande d'ailleurs si l'administration, à un moment donné, ça va s'ouvrir dans les stations. Alors, 20 400. 23 millions 100, ouais, franchement, pas mal. Pas mal du tout. On était sur quelle station là? Station des explorateurs, et je peux m'acheter des armes. Ok. Donc là, ouais, il y a vraiment un souci. Hein. C'est soit T4 ou soit T5. On va savoir pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc ça, tout ça, c'est bon. Oui, administration, il y a bien un moment donné où ça va s'ouvrir, je pense, à l'avenir. Ce sera quand même sympa. Du coup.
La confrérie, c'est vrai que je pourrais faire une petite mission, je pense. Mercenaire, chasseur de primes, mineur, explorateur. Là, ouais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup monté. Mais il va falloir faire. Ah, tiens, sécurité, ça c'est bien ça. Livré 404 262 183. Ok, parfait. Bon, la prochaine fois, je pense que je vais continuer un petit peu. En tout cas, je vais sûrement pas reprendre le minage. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, franchement. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va reprendre une petite gare quand même? Franchement, ça pourrait être sympa. Je suis quel niveau déjà? 35. Donc, des level 30, ça me paraît faisable. En plus, maintenant, je suis équipé. Je pourrais me faire aussi quelques petites recherches, mais ça aussi, je trouve un peu lourd quand même. Mais il va falloir que j'en fasse aussi. Il faut absolument que je monte aussi ce niveau-là pour avoir un meilleur équipement. Je suis rang 2, je crois. Chasseur de primes rang 2, tout à fait. Il me reste quand même encore un petit bout hein, pour arriver au rang 3. Là, j'ai quand même pas mal de choses quand même à faire. Mais c'est vrai que là, apparemment, au niveau 55, ça devrait quand même commencer à devenir assez intéressant. Parce que là, ouais. 4 étoiles, d'ailleurs, j'ai jamais vu des 4 étoiles dans l'émission. C'est soit 3 étoiles ou soit le... ça, là. Le crâne. En tout cas, ça doit être assez rock'n'roll, hein. À ce level là. Et au niveau 42, on commence à voir le mignon, même au niveau 38. Je pourrais même tenter en fait celui-là. Ouais, enfin non, c'est peut-être un peu trop quand même, à voir. À voir. En tout cas, je verrai la prochaine fois. Pour le moment, je vais m'arrêter ici. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!